Et on commence le monde S par probablement les étoiles vertes les plus faciles. Parce que, enfin, suffit de savoir où elles sont et de se laisser tomber. Et bon, aussi là, je sais plus du tout quelle est la première, quelle est la deuxième, mais franchement, on s'en fout un peu. Parce que voilà, la première est ici, on voit son scintillement. Et hop! Voilà. Ah, oh, mais on peut voir en dessous de Mario, wow, et on voit l'autre étoile verte. Alors, ne vous inquiétez pas, la difficulté des étoiles vertes de cette galaxie ne reflète pas du tout la difficulté des étoiles vertes des autres galaxies du monde S. Pas du tout, parce que, enfin, le manège arc-en-ciel, c'est non, non, elles sont chiantes et difficiles. Et les tournebroches rotors, ouais, elles sont pas évidentes. Le cyclone de pierre sont pas évidentes du tout. Les couloirs à coulisses non plus. Donc voilà, bon, à part les ribambelles de boss, oui, mais les boss, c'est nul. J'essaie de détecter où est la. Ah, je la vois. Il faut voir les petits scintillements. Et on voit l'autre aussi en arrière-plan. Ouais. Bon, Mario 2D, c'est fait, on va passer aux choses sérieuses. Non, je veux pas. Les étoiles vertes du manège arc-en-ciel, c'est la mort. La boule étoilée, c'est déjà chiant. Alors, quand vous faites une comète violette, c'est encore plus chiant. Mais quand vous faites des étoiles vertes, c'est encore plus chiant. La première, ça va plus ou moins. Parce que, enfin, si je me rate, je peux essayer de revenir en arrière. Généralement, ça va. Mais la deuxième, elle est très énervante parce qu'il faut se jeter dans le vide. Donc voilà. Et elle est à la toute fin de l'étoile. Donc, il faut faire toute l'étoile. Ouais, voilà. Ça ne va pas me faire aimer la boule étoilée encore plus, quoi. Bon, et c'est la seule fois où je vais prendre à gauche d'ailleurs, c'est quand je fais les étoiles vertes. Parce que l'étoile verte ici est à gauche. Ah, j'ai oublié. J'ai raté mon saut. Bon, c'est pas grave, je vais essayer d'aller jusqu'au bout d'avoir la deuxième. Je pense qu'il y a moyen de retourner un peu en arrière, mais là j'ai été trop loin. Non, mais c'est fin, c'est juste hyper chiant comme truc en général. Et je pense qu'on peut pas y aller vraiment lentement pour la deuxième. On peut pas tomber lentement parce que sinon on va pas assez loin pour toucher l'étoile. Enfin bref, voilà. Si quelqu'un vous demande la pire galaxie dans Super Mario Galaxy 2, vous pouvez répondre le manège arc-en-ciel sans aucune hésitation. Aucune. Zéro. Yes! J'espère qu'il n'y a pas trop de décalage. Bienvenue dans la galaxie. Bon, allez, la première, ça va encore. Enfin, en général, elle est moins frustrante. Elle est au début, ça prend moins longtemps d'y arriver. Mais bon, j'espère que je vais l'avoir quand même parce que je me souviens avoir pris assez longtemps à l'avoir la première fois aussi. C'est vraiment pas évident. En plus, je pense qu'il faut aller vite parce qu'elle est assez haut, donc faut pas. Si on ralentit et qu'on saute, ben ça fait rien, donc faut prendre de la vitesse et puis sauter tout au bout. Ah! Voilà, je l'ai raté d'un millimètre là. Non, reviens en arrière, reviens en arrière, reviens en arrière. Hop, hop. Back, back, back. Vas-y, tu peux le faire. Allez, allez. On remonte, allez. Plus vite, Luigi, Luigi, tu peux le faire, vas-y, Luigi. Luigi. Le pouvoir de du remontage. Et les tournebroches rotors jouent encore sur la fleur nuage pour les étoiles vertes, d'accord, ok. Et je sais pas si, enfin, il me semblait que la fleur nuage était seulement dans la comète en fait. Donc je me demande si on n'est techniquement pas dans la comète ici et que c'est la seule fois où les étoiles vertes sont dans une étoile à comète. Je ne sais pas. Peut-être que je me souviens pas bien. C'est tout à fait possible et même plausible. Ou alors ils ont juste rajouté des nuages. Mais enfin bref, peu importe.
La première est pas compliquée parce que on n'a pas besoin de conserver ces nuages quoi. On prend la fleur nuage et puis on y va. La deuxième, je pense qu'il faudra être un peu plus tricky comme les gens disent. C'est dommage que ce soit cette musique. Parce que c'est la musique du coffre à jouer en fait. Qui est un remix de... Oh là là. C'est la musique ici que c'est un remix de la musique du thème principal de Super Mario Bros. Voilà, une des musiques de jeux vidéo les plus reconnaissables de l'histoire, voire la musique de jeux vidéo la plus reconnaissable de l'histoire, enfin je veux dire, même mes parents pourraient reconnaître la musique de Super Mario Bros. Alors que ma mère n'a jamais dû toucher à Super Mario Bros de sa vie, mon père oui. Mais ça c'est la version du coffre à jouets de Super Mario Galaxy 1, et elle est chouette cette version. Mais la version qu'il y avait dans Sunshine, qui est même le jeu d'origine de cette galaxie techniquement, c'était aussi un remix de ce thème, mais c'était a cappella. Et voilà, c'est une musique aussi qu'ils ont remis dans Super Mario 64DS, dans les mini-jeux, dans certains mini-jeux. Mais je l'aime bien, je la trouve chouette comme musique. Et donc voilà, je suis un peu déçu qu'il ait pas remis, ça aurait été chouette je trouve, mais bon. C'est pas grave. C'est pas non plus la plus grande déception de l'histoire de l'humanité, quoi. Ça, c'est la plus grande déception de l'histoire de l'humanité, c'est Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Enfin, le fait que ce soit une histoire parallèle et pas une suite. Mais je dis ça, sachant très bien que les jeux, on a encore presque aucune information dessus, alors qu'ils sont à juste un peu plus d'un mois de leur sortie, et que justement, ils sont pas encore sortis quand je dis ça. Donc, si ça se trouve, ce sera les meilleurs jeux de l'univers, et j'espère que ce sera les meilleurs jeux de l'univers. Mais en tout cas, ils partent avec un désavantage. Voilà. Je dis ça maintenant. Cyclone Pierre! Alors, j'ai une étoile verte bien en tête, je sais très bien où elle est celle-là, je ne peux pas l'avoir oubliée. Mais par contre, je ne sais plus où est l'autre. Et je sais pas si celle que j'ai en tête c'est la première ou la deuxième en vrai. Ok, merci. Ça a été un peu violent, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. Je veux dire. J'ai l'habitude d'être dans un monde où toutes les plateformes de l'univers veulent me tuer. Alors. Voilà, la première étoile verte est là, il faut faire un triple saut. Et je vais voir si quand je fais un triple saut dans ce sens-là, ça va. Non, ben voilà. voilà pourquoi faut pas le faire dans ce sens-là, en fait. Mais c'est juste que, enfin, ça me paraît plus facile parce que je suis pas gêné par les boîtes pièges ou peu importe leur nom. Il en faut du temps pour crever. Mais en même temps, je veux dire, je peux pas les voir arriver, donc si je time mal mon truc, il y a plein de fragments d'étoiles quand même pour nous aider à avoir quelques vies. Ah ok, j'étais poursuivi. Non. Et enfin, ça c'est genre, c'est l'étoile verte. Je me demande comment on fait quand on n'est pas Luigi, parce que je veux dire, ce triple saut est juste assez quoi. Et je me souviens avoir passé pas mal d'heures. Non. Okay. C'est beau quand même. C'est une belle pause, j'ai envie de dire. Je veux dire, c'est aussi Luigi, c'est aussi le seul type qui arrive à se faire écraser, mais tout en restant en l'air. C'est quand même, je veux dire, il faut prendre note de ce skill assez légendaire, je dois dire. Ah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Bien, c'était donc la première étoile que je viens de prendre, donc maintenant l'étoile 2 doit être plus loin, je ne me souviens plus où elle est, mais je pense que je trouverai. Ça devrait aller. Hop, ah.
Apparemment, ces ennemis s'appellent des Bloodtocks. Je viens d'aller vérifier. Moi, je les appelle les boîtes pièges parce que dans Super 64 DL, ça s'appelle des boîtes pièges. C'est des Bloodtocks. C'est moche comme nom, mais ce sont des choses qui arrivent. Oh, l'étoile verte est là. Et elle me paraît un peu loin quand même. Vaut peut-être mieux partir de là-bas pour la voir. Enfin, je vais aller jusqu'au bout. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout pour, et après faire un saut en longueur parce que ça me. J'ai vraiment, je pense vraiment pas qu'à partir de là ça puisse aller. Et je ne sais pas si l'emploi du conditionnel du son du subjonctif était une bonne idée. Parce que j'ai dit je crois vraiment pas que ça puisse aller. Mais je. Est-ce que c'est correct? Je ne suis pas sûr. Que quand je l'ai dit, ça m'a semblé bizarre en tout cas. Non! Écrasé sur le pas! Ok, d'accord. Luigi, est-ce que t'es ivre? Je vais quand même essayer, on ne sait jamais. Hein. Non, 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 elle est absolument pas disponible de là. C'est pas possible. Impossible rue. Boum, voilà, pas besoin d'aller jusqu'au bout en vrai. C'était tellement simple, Kappa. Les boss à la chaîne, c'est un peu comme l'arène interplanétaire, c'est-à-dire que bon, les deux étoiles vertes sont basiquement à la suite, elles ont nulle part où se cacher, donc je vais juste faire une fois ici en vidéo la deuxième étoile verte. Et bon, la première, elle est vraiment pas difficile à voir, quoi. Là, je le ferai dans mon coin, je vous le montrerai pas parce que ce serait vraiment, vraiment hyper redondant. Allez, Dino Piranha, au revoir. Oupo boss, dépêche-toi. Hop, oh, j'ai cru qu'il allait me lancer une noix de coco d'abord, mais non. Voilà. Le tournoiement de Mario Luigi va beaucoup plus loin qu'on croit, je pense. Ok, m'envoie tes pots de boost si tu veux. 1, 2, 3. Voilà, vous voyez quand je vous dis qu'il va loin. Non, non, Luigi, c'est pas ça qu'il faut faire. Ça. Bien. Bon, la première étoile verte, même pas. Je veux dire, elle est là où se réfugie, je pense, où se... Ah, oh. Et oh, je suis en train d'expliquer un truc, toi tu viens, tu sors de ton truc, tu me frappes. Non mais je voulais juste dire qu'elle prend un peu la place du lapin dans Super Mario Galaxy 1. Mais qu'est-ce que... Mais qu'est-ce que passe-t-il? Est-ce que j'ai pas droit à une pièce? C'est 1, je me disais. Ok, what the hell? Sérieux? Qu'est-ce qui se passe là? Mais je dois. Oh purée, je dois faire un attaque rodéo, je suis vraiment nul! Mais je suis nul! Je suis nul! Lui lancer les fragments d'étoiles, ça sauve la vie. Ça simplifie tellement les choses, c'est magnifique. C'est une très mauvaise idée de faire ça avec la musique parce que... Parce que je pense qu'il y a un décalage en fait. Je vois sur OBS le décalage même. Donc ouais, tant pis. Bref, de toute façon, c'était le dernier boss qu'on avait à battre puisque l'étoile est ici, dans l'arène de Polta. Deuxième étoile verte en tout cas. Ah, elle est là. Oh non, des rochers. J'ai cru que j'allais la rater. Ouh, les bouts noirs ici, ils sont en mode fou. Et il ne reste plus que les couloirs à coulisses. La première étoile verte est... Elle est là, voilà. Elle est hyper... Enfin, elle est... Elle est assez rapide.
Donc il faut juste monter au-dessus. Mais la deuxième, ça va être une autre histoire. Et voilà. Alors, vous remarquez peut-être un truc pour la deuxième étoile verte. C'est que vous avez peut-être remarqué que la première étoile verte n'y est pas. Elle est pas là, à côté. On la voit pas. Comment ça se fait? Et vous avez peut-être compris pourquoi, mais vous allez comprendre très vite. Parce qu'on est dans la comète. Et donc il y a des clones chaotiques. Et l'étoile verte est toute à la fin. Donc voilà, ils y sont allés hein, pour la dernière étoile verte du jeu. C'est basiquement refait la dernière étoile du jeu, mais prend un petit chemin différent à la fin. Mais non mais bon, c'est pas grave, il y a des checkpoints, ça devrait aller. J'ai 28 vies, ça ira. Allons-y. Oh, j'aurais tellement voulu atterrir sur la plateforme, ça aurait été... J'aurais pu faire genre passe technique de speedrunner pour éviter de tournoyer, mais non, au final, tout le monde a juste remarqué que c'est juste moi qui étais nul. Eh oui, la vie est dure parfois. Que ces ennemis aillent se faire voir en fait, juste ça. De me bourrer dedans, clone chaotique. J'ai failli y passer. Bon, là, avec un seul PV restant, je ne donne pas cher de ma peau. Voilà, par exemple, comme ça. C'est pas grave. C'était juste pour récupérer mes PV plus rapidement. Technique. Et hop, voilà. Regardez-moi cette magnifique technique qui consiste à se prendre 2 points de dégâts pour peut-être ne pas se prendre un troisième. C'est clairement une technique de maître. Et je vais me prendre un clone chaotique qui va me tomber dessus. Voilà, je l'ai vu arriver à 4 km celle. Ok, parfait. C'est comme ça que j'aurais dû passer avant. Wow, 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 wow! Bon, c'était le dernier clone chaotique. Ok. Je vais peut-être réussir à passer. Bon, heureusement qu'il n'y a pas une infinité de clones, parce que sinon, là, c'était basiquement terminé pour moi. Ok, j'ai eu peur, mais ça a été. Et dernière étoile verte du jeu. Obtenue. Ouf! Et bien voilà, donc ça va être la fin de l'épisode. Je sais pas du tout dans quel épisode on est, franchement, je sais pas le numéro parce que je vais devoir faire plein de montage. Ouh, le montage, ça fait un peu peur, mais c'est pas grave. 240e étoile. Je ne sais plus si je dois battre Bowser ou pas pour faire apparaître la dernière galaxie. Hop, elle est là. Le trophée des virtuoses. Mais ce sera pour la prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et tous les épisodes qui ont précédé, parce que j'ai pas pu faire tout trop à ce moment-là, de Super Mario Galaxy 2, que ce soit le coup, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour dire ce que vous avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve dans le dernier épisode de Super Mario Galaxy 2 pour les deux dernières étoiles du jeu. Et fais chier les piles.